Pendant toute la période MeToo, j'ai beaucoup parlé avec des gens autour de moi, des femmes autour de moi, qui, comme moi, se sont dit « mais finalement, cette situation n'était pas normale. Et ce que j'ai vécu, c'était vraiment une violence. » Donc, pour moi, c'est plus cette espèce de transition, de réalisation qu'on ne peut pas accepter ça, qui a été le déclic pour avancer, entre guillemets, vers une forme de résolution. Parce que je vis cet activisme et cet engagement, pas seulement d'ailleurs sur les questions féministes, comme une espèce de résolution de ce sentiment d'injustice que j'ai toujours éprouvé, je pense, depuis très jeune.